Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour une prochaine vidéo sur les signes astrologiques du mois d'avril 2021. Quel signe va être effectué? Donc on va voir ça tout de suite. Et ce sera les lions. Coucou mes petits lions, j'espère que vous allez bien. Donc on y va, on va commencer avec le 77 d'Aliaske pour un tirage général. Ensuite professionnel, sentimental, et on ira poser des questions en direct. Et avec les réponses angéliques, et ensuite on ira faire un petit nettoyage et une purification. Pardon, avec le bol tibétain. Ok, n'hésitez pas si vous souhaitez un tirage personnalisé, allez juste sous cette vidéo, vous aurez toutes les infos nécessaires. Allez, c'est parti mes petits lions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois d'avril 2021 pour du général? Quelles sont les énergies en général pour vous en ce mois d'avril 2021. Avril, pour milieu. Allez, on y va. Ok, alors, on me montre ici, mes petits anges, qu'il va falloir être patient dans une situation en particulier. Pourquoi? Parce que vous allez trouver des solutions. S'il y a des blocages, s'il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, ou s'il y a des énergies négatives dans un domaine en particulier, on me montre ici d'être patient. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des solutions, vous allez essayer de débloquer certaines choses, vous allez réussir à solutionner certaines situations. Pour certaines personnes, ce sera en lien avec le manque de communication. Il y a des choses ici qui sont bloquées en vous, vous ne dites pas, vous ne parlez pas. Et du coup, vous allez trouver des solutions peut-être en lien avec la communication. Soyez patient. Il y a peut-être des problèmes de communication avec une personne en particulier. Et du coup, là, on me dit que il peut y avoir des solutions de trouver. On me montre ici une coupure, une rupture, quelque chose qui s'arrête peut-être brutalement pour certaines personnes en lien avec le fait de ne pas être à sa place, d'accord? Vous êtes perdu, vous tournez en rond, vous essayez de trouver la bonne direction. Et là, en fait, vous êtes ici et vous essayez vraiment de couper tout ce qui est en lien avec les énergies négatives, ce qui ne vous convient pas, mais surtout le fait de ne pas être à votre place. Donc là, il est clair que vous allez couper quelque chose comme ça au mois d'avril 2021 assez rapidement. Il peut y avoir ici pour certaines personnes une rupture, une coupure qui du coup vous permettent de retrouver votre place assez rapidement. Donc il y aura peut-être des personnes ici qui vont déménager, s'éloigner, prendre de la distance. Après il peut y avoir aussi certaines personnes qui peuvent se déplacer pour tout simplement partir au week-end ou ce genre de choses. Bon, en ce moment c'est un petit peu compliqué. Mais bon, il y en a, ils partent en vacances, enfin je sais parce que j'en connais. Donc je pense que tout est possible. Gardons foi. Alors, je continue. J'ai la sensation, mes petits lions, ici, que vous ressentez un certain manque en lien avec tout ce qui peut être sentimental, aussi en lien avec tout ce qui peut être passion pour d'autres. Là, on me montre ici qu'il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un en qui vous avez des sentiments. Quelqu'un avec qui peut-être vous communiquez encore. Là, on me montre ici qu'il y a un certain manque. On me conseille de vous dire ici de couper hein, tout ce qui est en lien avec le manque. Ça vous met peut-être dans une certaine dépendance. Donc faites attention. On me parle ici de protection en lien avec tout ce qui peut être famille, en lien avec tout ce qui est le bien-être, tout ce qui est nature, forêt, l'aide à la personne aussi. Là, on me montre bien ici que vous êtes protégé. Quelqu'un de la famille vous protège aussi de là-haut si vous avez perdu quelqu'un. En tout cas, on vous protège pour pouvoir vous rapprocher de vos convictions au niveau professionnel, d'activité, en lien avec tout ce qui peut être sentimental. Et on me montre ici que ce sera vraiment positif pour vous. D'accord? On me montre ici patience. Vous allez réellement couper, rompre quelque chose en lien avec tout ce qui peut être le manque. Vous êtes protégé par rapport à ça. Donc rassurez-vous. Vous trouvez des solutions, des éclaircissements pour retrouver votre place en lien avec tout ce qui peut être sentimental, que ce soit familial ou sentimental, relationnel. On me montre ici aussi que vous retrouverez l'équilibre, besoin d'équilibre entre le yin, le yang, le masculin, le féminin, et ce sera positif pour vous. Si vous vous posez des questions par rapport à tout ce qui peut être famille, aide à la personne, ce genre de choses, on me montre ici
On me dit oui, tout simplement. D'accord? Donc, c'est plutôt positif. Il y a un manque de communication, mais assez rapidement, vous retrouverez la communication avec une certaine personne, peut-être en lien avec le sentimental, pour vous rapprocher de vos convictions dans ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Il y a des messages qui arrivent pour vous. Je parlais de messages, bim, message. Si ça, c'est pas un message. Bon, en tout cas, ici, on me parle d'activité, de projet, de tout ce qui est travail professionnel, artistique, manuel. On me montre ici qu'il y aura un choix à faire par rapport à cela. D'accord ? Vous allez peut-être, pour certaines personnes, vous éloigner, prendre de la distance en faisant un choix. Zut ! Et on me dit bien que c'est vous qui allez entreprendre les choses. Vous allez utiliser l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Vous allez trouver des solutions, des éclaircissements, mais écoutez vos ressentis et vos intuitions, car ils sont bons. Vous trouverez aussi des solutions par rapport à tout ce qui est énergie négative, schéma répétitif, des choses qui peuvent revenir sans cesse et vous bloquer. Et c'est inattendu et soudain. Faites attention, vous ressentirez pour certaines personnes un petit peu de tristesse, de mal-être. Mais je pense que vous allez retrouver trouver des solutions pour vous éloigner de ces énergies-là. En tout cas, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras et vraiment gardez force, courage, peu importe dans les situations. C'est important pour vous, ok? Parce que sinon, c'est les énergies négatives qui peuvent vous mettre vers le bas, vous voyez? Vous avez la flemme? Bah, vous sortez. C'est pas grave. Vous avez pas envie? Bah, vous y allez quand même. Vous avez pas envie de voir les gens? Bah, allez-y quand même. Non, mais vraiment, faites-vous forcing. Métilon. Alors, ouais, méfiance, il y a des personnes ici assez rusées, calculateurs, calculatrices peut-être autour de vous. Peut-être que vous, vous avez beaucoup de peur aussi et besoin de vous libérer de ce genre d'énergie. Alors, des détails par rapport à ce tirage. Alors, on me montre ici patience, vous avez besoin de repos, de tranquillité, de vous recentrer dans vos idées, de prendre du recul, d'avoir une prise de réflexion, de prendre du temps pour vous et de faire les choses sincèrement pour vous. D'accord ? Donc, patience, je pense que l'univers vous oblige à ça, hein, tout simplement, pour vous recentrer. On me parle ici de clés de solution qui arrivent pour vous, qui apportera de l'amour, de l'abondance en général. D'accord ? Donc ça, c'est plutôt positif. Des solutions arrivent et ça apportera ces énergies-là. On me dit que par rapport au manque de communication, il y a un choix qui va être fait par rapport à peut-être ce que vous ne dites pas, ce que vous ne faites pas. Ce que vous ne dites pas, ce que vous pensez, mais que ça c'est resté en vous. On me parle ici de rupture, de coupure en lien peut-être avec la famille ou en lien avec tout ce qui peut être aide à la personne au niveau professionnel. Là, il y a une coupure, il y a une rupture. Vous ne vous sentez pas à votre place en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement, partenariat, association. Assez rapidement, par rapport à ces énergies-là, on me montre ici de la chance qui arrive à vous. D'accord ? Vous ressentez un manque par rapport à ce manque. Il y a un chemin beaucoup plus fluide qui s'offre à vous, beaucoup plus lumineux. Et on me montre ici qu'au niveau de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez ou d'une personne que vous avez dans votre cœur, il y aura de la communication. D'accord ? On peut me parler ici de communication qui est retrouvée pour certaines personnes. Vous voyez ici, j'ai encore les messages, des textos. On me dit dans les 3 mois ici. Après, il y a quelque chose qui va aboutir en octobre, novembre, décembre. Là, j'ai la notion ici que certains lions ressentent qu'ils ne sont pas protégés ou plus protégés. Parce que j'ai la protection derrière et on me dit méfiance. Donc, c'est comme si vous vous doutiez, vous étiez en train de perdre foi pour certaines personnes. Là, on me parle ici que en avril 2021, pour certaines personnes, il sera question de couper quelque chose en sa faveur en lien avec tout ce qui peut être relationnel, famille ou professionnel en lien avec tout ce qui aide à la personne, etc. La nature, enfin, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. On me montre ici, mes petits anges, que vous allez vous rapprocher de vos convictions au niveau sentimental, au niveau de vos projets, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez, mais vous êtes beaucoup dans la méfiance. Vous êtes beaucoup dans la peur, mais pour d'autres, il sera question ici qu'en vous rapprochant de ce que vous souhaitez, il y aura des personnes assez rusées, calculateurs autour de vous.
On me dit oui, l'amour arrive pour vous, mes petits anges, ne soyez pas indécis, n'ayez pas peur. On me parle ici d'une personne assez, quelqu'un qui aura des sentiments forts et partagés. D'accord? Donc gardez confiance. On peut me montrer ici pour vous que vous êtes en mode stand-by, en mode repos, mais que l'abondance arrive en faisant des choix assez importants. On me parle ici de contrats, de signatures en lien avec votre travail si vous êtes dans l'aide à la personne. Ceci apportera de la chance. Des contrats, des signatures, engagements, partenariats, associations par rapport à tout ce qui peut être en lien avec la famille, ça vous apportera de la chance pour d'autres. On me montre ici un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux qui s'offre à vous, qui amènera un peu plus de communication, des coups de fil, jusqu'à octobre, novembre, décembre, en tout cas des choses qui aboutiront en fin de cette année. Ça commencera déjà en avril. On me dit, vous vous méfiez beaucoup des gens, et les gens en qui vous allez vous méfier, vous allez couper en votre faveur certaines choses. On parle ici de beaucoup de personnes assez médisantes, rusées, calculateurs, ou en tout cas, il y a pas mal de peur qui émane de vous aussi. Ok, en dos de deck, ici j'ai un homme plus âgé que vous, si vous êtes une femme. On parle ici de nouveautés, de nouveaux projets par rapport à un homme. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Il y aura quand même de l'électricité dans l'air. Il peut y avoir un coup de foudre avec un homme plus âgé que vous. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est possible qu'il puisse y avoir un coup de foudre avec une personne en lien avec le professionnel. Là, on me parle ici de stress, d'angoisse, d'électricité dans l'air en lien avec des projets. La musique, pour certaines personnes, tout ce qui peut être en lien avec des instruments musicaux, on me dit que ce sera vraiment positif. Mettez du son dans votre vie. Si ça ne va pas, bah vous mettez la musique à fond et bim, vous sautez partout. Ça va remonter vos vibrations en positif. Vous voyez, ici, on me parle de joie, de bonheur, de succès. C'est ce que vous voulez atteindre. Parce que là, j'ai la notion ici que pour certains lions, bah vous n'êtes pas trop dans cette énergie. En tout cas, la joie, le bonheur, le succès est en route, est en chemin pour vous. Et vous êtes protégé, ok? Donc ça, c'est important que je vous le dise parce que certaines personnes ici sont en train de perdre la foi, entre parenthèses. Gardez confiance, ok? Allez, on va passer maintenant aux bélines. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits anges? En ce mois d'avril 2021. Ah, il y en a, ils boivent de l'alcool, c'est pas bon pour vous. On dit, il y en a un, il est bourré. Bourré, bourré, il faut arrêter d'être bourré. Alors, je sais pas pour qui sera ce message. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. On me dit le mot bourre, bourré, bourré. Bon, en tout cas, pour vous, mes petits lions, vous allez retrouver paix, sérénité dans une situation où il y a eu pas mal de blocages, d'énergie négative. C'est comme s'il y a eu énormément de choses qui se sont écroulées. Et on me dit que vous retrouvez paix, sérénité. Vous allez découvrir certaines choses, apprendre certaines choses. Vous allez aller à la découverte de certaines choses que vous ne peut-être connaissez pas encore en lien avec tout ce qui est entreprise, société. Ce sera une réussite pour vous. D'accord? On me parle ici autour de vous de famille. Une réussite en lien avec tout ce qui est famille. Vous aurez la réussite par rapport à tout ce qui est en lien avec les conflits, les désaccords. Mais ne baissez pas les bras, mes petits anges. En dos de deck, j'ai des ennemis qui peuvent vous bloquer. On me dit éloignez-vous de ce genre de personne. Alors, je ne sais pas qui c'est. Ça peut être un homme pour certaines personnes hein, ici qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. Si vous êtes un homme, c'est un homme. Si vous êtes une femme, c'est un homme. D'accord? Coupez et vous retrouverez bien-être et plaisir. Pardon. Allez, on va aller voir maintenant avec l'évolution professionnelle. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits lions? Pardon. Bah alors là, c'est chakra de la gorge bloqué. Manque de communication. Bon, après, je suis un peu malade, mais bon. Si je touche là, c'est que il y a un truc. Alors, évolution professionnelle pour mes petits lions.
Alors, on me dit ici qu'il y aura des, con des contacts. Pardon, j'arrive pas à parler. Des contacts téléphoniques assez importants qui vont vous mettre dans une énergie où vous serez un peu perdu. Parce que sans doute vous allez vous douter ou penser qu'il y a des choses cachées, non dites. C'est comme si on vous avait caché des choses au niveau professionnel. On me montre ici qu'il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous et qui va vous permettre de sortir de cette situation qui un coup ça va, un coup ça va pas. On me parle ici d'engagement. On me montre ici des contrats, des signatures, un partenariat, association. Mais en fait, c'est caché par l'univers. Il vous le mettra sur votre route, sur votre chemin, quand vous serez prêt ou prête. D'accord? Il y a une surprise ici, hein, qui arrive pour vous. On me montre ici des rendez-vous assez importants qui arrivent pour vous au niveau professionnel, qui vous apportera de la lumière, du positif. Ça peut être des entretiens, des rendez-vous, boire un verre avec des clients, quelqu'un dans l'entourage pro. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre vers la joie, le bonheur, le succès. Mais les choses aboutiront vraiment octobre, novembre, décembre, donc en fin de cette année. On me montre ici des contacts téléphoniques qui amèneront des nouvelles opportunités, ainsi que des rendez-vous assez importants pour vous. On me parle ici que vous tournez en rond, hein. Il y a une situation un petit peu en dents de scie, du coup vous êtes perdu, mais vous sortez de cette situation. On me parle ici de lumière, de positif, hein, surtout en octobre, novembre, décembre. Donc là, je pense que cette année, il y a des choses à surmonter, à régler. D'accord? On me montre ici des surprises qui arrivent pour vous. On me montre ici des surprises qui arrivent pour vous, des contrats, des signatures, de l'engagement. Ça peut être avec des clients, avec des partenaires, des associations, etc. Et ça va vous apporter vraiment de la joie. En dos de deck, ici, on me parle de tout ce qui est en lien avec le financier et le matériel. Donc déjà, la carte, elle a sauté. Ça me montre ici qu'il y a quand même de l'abondance qui arrive pour vous. Il y a certaines personnes ici qui sont coupées, hein, en lien avec tout ce qui est financier, matériel. Il y a de gros blocages par rapport à ça, besoin vraiment de libérer certaines choses. Hein. On me montre ici des obstacles à surmonter, vous trouverez des solutions par rapport à tout ce qui est financier, matériel. Vous allez vous rapprocher de vos convictions au niveau professionnel. Donc ça, c'est plutôt cool. Gardez confiance, je dirais. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a quand même de belles choses qui arrivent. Ok, mais il faut que vous gardiez confiance. Désolée pour le bruit. C'est les travaux. Voilà, comme d'hab. Alors, au niveau pro, évolution professionnelle pour mes lions. On me dit ici que vous avez quelque chose d'important à faire en lien avec tout ce qui est communication. Il y aura des opportunités en lien avec la communication. Peut-être la semaine prochaine pour certaines personnes. Enfin, la semaine prochaine. Oui, c'est possible, mais la première semaine de avril, je dirais. Bah, c'est ça, je crois. La semaine prochaine, on est en mi-semaine prochaine, on est début du mois d'avril, je crois. Bon, en tout cas, la semaine prochaine, on me dit ici que vous allez devoir communiquer et que ça va vous apporter des opportunités pour les 3 mois qui suivent. D'accord? Vous êtes un guide qui aide les autres à traverser un tunnel qui est plutôt négatif pour les amener vers la lumière. Et ça, c'est actuel. Ça, c'est déjà maintenant. C'était déjà dans le passé. Donc là, il y a des opportunités peut-être pour pouvoir aider les autres. Donc je vous ai parlé en aide à la personne, c'est en lien. Là, on me dit ici que vous allez devoir communiquer à travers les réseaux de télécommunications, surtout cet été. Ça va vous apporter des opportunités en lien avec vos rêves. Il y a sans doute quelques retards parce qu'il y a eu des blocages. On me dit que vous allez vous déplacer ici. Il y aura des déplacements pour pouvoir faire ce que vous souhaitez. Éloignez-vous, enfin, vous allez vous éloigner de l'ego, d'accord? Parce qu'elle tombe à l'envers. L'ego. Peur, doute, questionnement, etc. Le mental. Là, il y a un travail à faire par rapport à ça durant les 4 mois qui suivent. On me dit ici que de toute manière, vous êtes quelqu'un qui aidez les autres peut-être à guérir d'une certaine manière, de manière différente. Peut-être certaines personnes avec les mains, d'autres avec les anges, les guides. Enfin, il y a ici tout ce qui est en lien avec les soins énergétiques, guérison, etc. Ancrez-vous, c'est important.
Ancrez-vous, mes petits anges. Je reprends, j'ai dû couper. Et du coup, on continue, mes petits longs, avec le sentimental. On a fait le côté professionnel, maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits longs, sentimentalement, dans votre futur? En mois d'avril 2021, quelle est l'évolution sentimentale pour mes petits longs? Ascendant, signe lunaire, signe solaire. Ok, alors, on me montre ici plein de choses. J'ai des frissons là. Bah, vous n'êtes pas tout seul. Hein. Vous êtes entourés, mes petits lions. On me montre une femme. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit, bon, tu vas te mettre un coup de pied aux fesses là. Avance, bouge. Ça sert à rien de rester bloqué, à rien faire en mode flemme. Désolé, c'est ce qu'on me dit. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, on me montre ici que vous allez vous éloigner, prendre de la distance de quelque chose qui ne vous convient plus. Peut-être des déplacements pour certaines personnes au niveau sentimental, en voyage, en week-end. En tout cas, des déplacements ici avec une autre personne, d'accord? On me parle ici qu'il est possible que si vous êtes en couple, vous partiez en vacances. Les couples où tout va bien. Les personnes où ça ne va pas trop, il y a des choses ici qui montrent qu'il y aura peut-être de la distance, de l'éloignement. Pardon, en lien avec tout ce qui est contrat, signature, engagement. D'accord ? On peut me montrer ici qu'il y a peut-être aussi pour les célibataires des personnes qui sont éloignées de leur autre. Et du coup, peut-être que là, un déplacement va être nécessaire pour vous rapprocher tous les deux. On peut me montrer ici, mes petits lions, de la communication par texto, SMS, en tout cas réseau de télécommunication. Surtout si vous êtes une femme, vous allez faire un choix qui sera plutôt important. Si vous êtes un homme, on me dit que c'est vous qui ferez un choix par rapport à une femme. Ok ? Par rapport à la communication. Je suis désolée. Là, je pense qu'il y a un problème en lien avec le chakra de la gorge. Là, il y a non-communication chez vous, là. Va falloir régler ça, hein, les gars, là. Besoin de retrouver équilibre, besoin de se ressourcer, besoin de s'éloigner de tout ce qui peut être en lien avec les énergies négatives, schéma répétitif en lien avec la famille. Là, on parle de schéma répétitif, des choses qui se répètent au côté famille. Hein. Manque de communication... on ne parle pas, on ne dit rien, ça se répète et ça recommence et hop, non. Là, en fait, vous allez faire un choix de régler certaines choses. Alors, il peut y avoir ici, si vous avez déjà une famille au niveau sentimental, des énergies négatives qui peut provoquer au mois d'avril un manque de communication. Mais vous allez retrouver joie, bonheur et succès avec votre autre, avec la personne que vous avez dans le cœur. On me montre ici une personne plus âgée que vous qui peut avoir des sentiments pour vous. On vous retrouve bien-être et plaisir. Si vous êtes une femme, là vous avez un homme qui a des sentiments pour vous. Si vous êtes un homme, il y a un homme qui vous kiffe. Ça peut être vous qui, du coup, portez des sentiments forts envers une personne, homme ou femme, peu importe la situation dont vous êtes actuellement. Vous portez des sentiments forts envers une personne. On peut me montrer ici, mes petits anges, qu'il y a une certaine distance entre deux personnes, vous et quelqu'un d'autre. Du coup, vous communiquez par télécommunication, texto, mail, etc. etc. Besoin de retrouver l'équilibre et la stabilité par rapport à ça. Ça va vous aider à retrouver joie, bonheur et succès. D'accord ? On me montre ici le couple. Il peut y avoir une triangulaire ici, mes petits anges. Pour certaines personnes, un homme et deux femmes. Où il y a pas mal d'énergie négative, des schémas répétitifs, des choses qui se répètent et qui recommencent, mais il y a de l'amour. Du coup, vous êtes bloqué. Faites attention aux dépendances qui pourraient vous mettre dans l'attente et du coup, vous empêcher d'avancer vers ce que vous souhaitez. On me parle ici que vous ferez un choix par rapport à tout ce qui est en lien avec les contrats, les signatures, l'engagement, en lien avec le sentimental. Manque de communication avec un homme. Vous tournez le doigt à quelque chose qui ne vous convient plus ou en tout cas, si vous n'y arrivez pas, vous essayez.
Mais là, il est clair que vous allez couper quelque chose qui ne vous convient plus et ça va vous apporter ici de l'abondance. Donc c'est plutôt cool, un chemin beaucoup plus fluide, beaucoup plus lumineux. On me montre ici quelque chose de positif et que ça va vous aider à vous diriger vers la nouveauté, vers de nouveaux projets. Au niveau sentimental, il peut y avoir aussi ici un bébé qui arrive pour certaines personnes. Des choses qui se règlent en lien avec des enfants et qui sera positif, on trouve des solutions et ça amènera de l'abondance pour vous. Ok? Je suis désolée. Enfin, alors maintenant on va faire les questions. Allez, on y va. Je vais chercher mon petit papier. Alors, pour toutes les personnes qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. Oh, j'ai pas fait l'améthyste love. Ok, il faut que je le fasse. Mais je sais pas où il est. Méditez, les gars, méditez. Oh, je vais tout enlever. Il y a des nouvelles ici qui arrivent pour vous. Des nouvelles, peut-être autour d'une nouvelle lune, pour trancher quelque chose, couper, arrêter quelque chose. Alors, évolution sentimentale. Pour tous mes lions, qu'est-ce qui va se passer? Ça saute de partout. Waouh, waouh, waouh. Ok, bah, y a un déménagement ici qui va se faire pour certaines personnes. En tout cas, il y a un éloignement, une distance par rapport à tout ce qui peut être rivalité ou s'il y a une triangulaire ou une tierce personne. Ici, on me parle de rivalité et de d'éloignement, de distance, de déménagement. Les choses bougent. Alors, attendez. Ok. On dit, vous vous éloignez, vous partez de tout ce qui est en lien avec l'amour éphémère. Pourquoi? Parce qu'on vous a protégé de quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Et on me dit que maintenant vous êtes protégé, qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Surtout si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est en lien avec une femme. Ok? Plutôt pas mal le message. Ouais, là il y a une énergie d'âme sœur avec une personne en particulier. Peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontrée. Quelle est l'énergie qu'ils doivent attirer à eux, mes petits lions? J'ai des frissons là. Y a un message à transmettre aux gens. Oui. Voyager, partez, départ, distance, éloignement. C'est un petit peu les messages qu'on nous donne. En tout cas, ici, cette carte attire le déplacement, le changement et la découverte vers vous. N'hésitez pas à screenshotter, à l'imprimer et à la garder sur vous. Ça va vous aider vraiment à attirer ce genre d'énergie. En tout cas, vous en avez besoin. Alors, on y va, mes petites. Les personnes là qui sont divorcées, je suis désolée, ou en pleine séparation, posez votre question, on va y répondre. Voilà, je pense que les personnes en pleine séparation, wow, la communication pour certains, c'est chaud. Bon, en tout cas, même si c'est chaud, il y a de l'instabilité par rapport à votre question. On dit non et oui, donc un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y a de l'instabilité, c'est déstabilisant, mais il y a un succès derrière. Donc rassurez-vous. Pour toutes les personnes qui sont mariées, paxées, posez votre question, on va y répondre. Obtenez plus d'informations, les choses dépendront seulement de vous. D'accord? Vous devez aller à la recherche des infos. Il y a des choses que vous ne savez pas peut-être. Dans les prochaines semaines, vous choisirez une nouvelle direction. Donc, dites chaque jour tout ce que je dois savoir, mais révélez. Et vous allez voir, cette phrase, c'est un truc de fou. De l'avoir testé, je peux vous dire que c'est un truc de fou. Alors, je continue. Pour toutes les personnes qui ne sont pas mariées, ni paxés qui sont en couple, peu importe si vous vivez ou pas ensemble, posez votre question, on va y répondre. Demandez de l'aide aux anges, à des amis, aux archanges, à des proches, et ce sera positif pour vous. En fait, ce que vous demanderez, vous l'aurez. Mais il y a une certaine manière de demander les choses, d'accord? Vous devez peut-être au préalable améliorer votre état de santé ou régler certaines choses, rétablir certaines choses.
On me dit, vous le savez. Pour les célibataires, posez votre question. On va y répondre. Waouh, j'ai des frissons, je ne vous raconte pas. Vous devez obtenir plus d'informations, donc allez à la recherche des infos. Vous êtes prêts à découvrir certaines choses, je répète. Pour toutes les personnes qui aimeraient apprendre certaines choses, dites tous les jours. Ils ne veulent pas que je la dise la phrase. Enfin, on m'empêche, mais j'y arriverai. C'est tout ce que je dois savoir, mais révéler. Phrase de fou. C'est une phrase magnifique qui vraiment va vous apporter certaines choses. C'est un truc de fou. Alors, on me montre ici une amélioration d'état de santé pour vous. Dans l'année, lâchez prise, des choses vont se régler, se rétablir. D'accord ? Vous devez régler, rétablir certaines choses. Pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, posez votre question, on va y répondre. Je suis désolée, j'ai envie de rire, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui ont envie de rire. Peut-être qu'il y en a qui rigolent. Mais c'est bien de rire, 15 minutes par jour. Ok, repensez à la manière de faire ou d'agir. Il y a peut-être quelque chose pas bon ici que vous faites vous. Méditez, ça vous apportera les bonnes réponses. D'accord ? Et surtout, une nouvelle direction. Moi, je pense qu'il y a une nouvelle direction qui arrive ici. En tout cas, ce sera quelque chose qui sera différent de ce que là où vous êtes aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui sont seules avec des enfants, posez votre question, on va y répondre. On me dit gardez confiance, mes petits anges. Dans les prochains mois, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à votre question. Et on me dit encore une fois, choisissez une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui va montrer que vous allez choisir une nouvelle direction. Et ce sera un succès en choisissant une nouvelle direction. Ah, par exemple, si vous avez décidé d'être toujours seul avec des enfants, bah, choisissez une nouvelle direction, il y a quelque chose de meilleur qui arrivera. Ok ? Gardez confiance. C'est un exemple. Hein. Mais bon, moi j'ai déjà entendu des gens dire, ah bah non, bah, c'est bon. Moi, je m'occupe de mes enfants. Je reste seule toute ma vie, jusqu'à la fin de ma vie. Et bah, c'est peu probable que ça arrive. Donc, gardez confiance. Allez, je continue. Non, je crois que j'ai mangé un clown tout à l'heure. Pendant le repas. Pour tous les projets professionnels, ceux qui ont des projets professionnels, posez votre question, on va y répondre. Affirmez-vous. Bon, vous devez vous affirmer, vous devez aller au fond des choses, vous exprimer, dire ce que vous ressentez, etc. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans un projet professionnel, bah, dites-le. Si vous êtes en partenariat ou association avec une personne et que la personne, si ça vous convient pas ce qu'elle fait, bah, dites-le aussi. Vous laissez pas faire pour vous aider à rétablir et régler la situation. Avancer, etc. D'accord ? Donc là, il y a des choses qui vont se régler, se rétablir, mais en vous affirmant, parce que les choses dépendront seulement de vous. Tadam, tadam. Pour toutes les personnes qui ont un problème de santé plus ou moins grave, posez votre question, on va y répondre. Désolée pour le bruit, il y a encore des travaux. Mais je crois que ça fera un an, là, bientôt. Dans les prochaines semaines, il y a quelque chose qui se passe pour vous. Vous allez obtenir plus d'informations. Peut-être que dans les prochaines semaines, vous serez en manque d'infos et vous irez aux recherches des infos par rapport à votre question. Et on me dit que dans l'année, il y aura des négociations et des compromis en vous écoutant. Écoutez vos ressentis, vos intuitions, surtout dans les prochaines semaines. Ok, par rapport à votre question. Pour toutes les personnes qui sont à la retraite ou qui ne le sont pas encore, posez votre question, on va y répondre. On me dit oui, non. On est à l'envers, donc c'est oui, non. Un coup, oui, je suis prêt ou prête. Un coup, non, je ne suis pas prête ou prêt. On me dit lâchez prise, débloquez les choses. Si vous lâchez prise et que vous avez confiance en vous, on me montre ici que ce sera plutôt positif. Ok ?
en 2D deck que j'ai dans les prochaines semaines. Pour toutes les personnes qui sont sans domicile fixe, posez votre question, on va y répondre. Oui, non, encore. Oui, un coup je veux partir, un coup je veux rester. Il y a des choses à régler, à rétablir au niveau de votre santé intérieure, émotionnelle. On dit oui avec un point d'exclamation. Mais avant, il faut que vous rétablissiez des choses au niveau de votre santé intérieure ou des choses en lien avec votre question. Négociation et compromis. Pour toutes les personnes qui sont au chômage, posez votre question, on va y répondre. Alors, il y a des choses ici à pardonner, hein, tous ceux qui sont au chômage. Vous devez vous libérer de certaines choses qui sont plutôt nocifs, négatifs pour vous. Obtenez plus d'informations et ça permettra des rétablissements et de régler certaines choses en lien avec votre question. N'attendez plus. Cette carte était à l'envers. Ne pensez plus. Et lâchez prise. Donc là, c'est vraiment je lâche prise et j'avance petit à petit. Ok ? Bon, bah en tout cas, merci mes petits anges d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais passer au bol tibétain pour un petit nettoyage et une petite purification. N'hésitez pas à mettre plein de petits cœurs rouges si vous avez regardé cette vidéo. Je crois que je l'ai dit deux fois, mais c'est pas grave. Ah, tiens. Je vais vous présenter quelqu'un. Je pense qu'elle avait envie de faire apparition. Viens, chérie, viens. Regardez, je vous présente Smart. Tu veux dire bonjour? Attends. Bah voilà, je vous présente un petit chihuahua Smart. Je suis trop contente, elle est trop mignonne. Tu dis bonjour? Voilà. Allez, je te mets là. Et là, on va passer au bol tibétain. Attention. Bon, elle est toute petite, toute minuscule. Alors, des fois, j'ai peur de lui faire mal. Allez, on y va, fermez les yeux. J'invoque les anges et les archanges pour nettoyer, protéger et purifier toutes les personnes qui regardent cette vidéo de toute énergie négative, stress, angoisse, peur, blocage, mal-être, tristesse, burn-out, dépression, entité, magie noire, maléfice, mauvais œil, toute part d'ombre que vous avez en ou autour de vous, que tout ceci parte à la lumière maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Faites un soin énergétique à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo, surtout leur corps astrophysique, aura, chakra, réaligner, rééquilibrer et débloquer tout ça maintenant et tout de suite. Merci, merci, merci. Entourez-les d'une bulle de lumière et de protection et activez leur vibration au maximum du positif maintenant et tout de suite. Merci, 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 merci. Permettez à toutes ces personnes d'aller vers le bon chemin, de faire les bons choix qui seront les meilleurs et positifs pour eux. Maintenant et tout de suite, merci, merci, merci. Remplissez-les de couleurs vertes, de lumière verte pour la guérison, de lumière bleue pour la protection, de couleurs roses pour l'amour inconditionnel. Et libérez-les de tout emprisonnement, comme une petite fleur de lotus qui s'ouvre petit à petit de couleur violette. Maintenant et tout de suite, merci, 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 merci. Voilà mes petits anges, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous envoie plein de positifs et puis je vous dis peut-être à bientôt à la prochaine vidéo spéciale sentimentale pour vous mes petits lions. À bientôt !